Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Not So Berry. Rediffusion qui va porter encore une fois sur Toya, notre très très cher héritier de cette génération pêche. Qui là, bah, il rêve de politique lui. Et il est content. Donc voilà. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, qu'est-ce qu'elle fait celle-ci ? Commence pas à me casser les noix. Hein. Ah, tu pues ? Si vous le voulez bien, on va essayer de maximiser encore une fois ses compétences. Petit niveau 10. Est-ce que c'est possible ? On ne sait pas trop. En cuisine gastronomique et comédie. On était déjà à niveau 6. Je m'étais arrêtée à niveau 5 dans ma tête. Donc, on va essayer tout en jouant un petit peu de guitare. Et ce jeune homme grandit dans 5 jours. Déjà ? Il vient à peine d'être ado. Mon dieu. Mon dieu, ça va déjà être dans 5 jours. Il va être jeune adulte. Bah écoutez, c'est parfait. On ira jusqu'à son anniversaire de jeune adulte. Comme ça, la semaine prochaine, on commencera la carrière de détective. Puisqu'il faut qu'il soit détective. Donc, dernier délai pour faire vos femelles engagées, bien sûr, dans la carrière de détective. Sinon, ça servira à rien que vous me les fassiez. Mais vous pouvez me les faire quand même, hein, y a aucun souci. Mais si vous voulez qu'elle se marie avec Toya et qu'elle fasse des bébés, c'est d'ici une semaine. Après, ce sera un petit peu trop tard, peut-être. Parce que je pense qu'on jettera nos dévolus assez rapidement sur la donzelle qui le domptera. Ou peut-être lui qui la domptera. On sait pas. Ben voilà, Quentin. Oui, tout à fait, avec le hashtag NotSoShirley dans la galerie, sinon je ne vais pas retrouver vos foyers. Bien sûr, sans cesser de préférence. Après, si vous avez des CC de peau et machin, truc muche par défaut, bon ben, je ferai avec, hein, mais ne partagez pas avec des vêtements ou des coiffures, sinon ils vont être tout nus. Et ça, c'est un peu con. Bon, allez, on accélère. Et puis, on va voir ce que ça... Qu'est-ce qu'elle fait ? Non, ah, tu fais tes devoirs. Je croyais qu'elle voulait jouer de la guitare. Je vais dire, hé, c'est pas la guitare. Qu'est-ce que tu fais ? Ben lui aussi... Hé ! Ah là là, il devient le digne fils de son père, lui. Regardez-moi les petits abdos qui se dessinent. Il se lève à 4h du matin, les gosses, pour faire le devoir. Ça, c'est être très pressé d'aller en cours. Hein. Bon, en même temps, le petit Tonya, bon, bah, que faire ? À part bosser sur ses compétences, faire ses devoirs et possiblement rencontrer des filles. Alors, attendez, on avait dit qu'on caserait... Il y avait Samuel, c'était avec Melba, je crois, du coup. Non, c'était Orion, pardon. C'était Orion qui allait être calé avec notre petite Melba. Donc, il va falloir que je fasse ça aujourd'hui aussi. Comme ça, au moins, ben, elle dégagera. Elle, est-ce que... Ils vont tous se lever, là? C'est quoi, ce délire? Ah! Bah, Dahlia est jeune adulte. Dahlia peut dégager. Donc, avec qui on va la foutre, déjà Le roux? Non, il est ado. Oh, crotte, hein. Bon, Dahlia, elle va dégager. Chamallow est devenu vieux. Et comme tous les vieux... Oh, elle a perdu ses abdos. Oh. Mais c'est quand même moins sympa. D'habitude, en début d'épisode, on bave sur lui, quoi. Le temps passe vite dans les Sims. Ah ouais, complètement. Hein. J'espère que vous aimez notre reine, parce que sinon, ça va pas le faire. Crier la reine. Toya me ressemble, tu fessais tes punitions le matin. Eh ben, si tu fesses tes punitions... Pourquoi ils viennent tous s'emmerder, là? Laissez-le tranquille, bon sang de bonsoir. Va te préparer, mon petit Toya. Sois un bon garçon. Je m'occupe que de lui, maintenant. C'est mon héritier, hein. Ouais, c'est comme ça. C'est le jeu qui a voulu que... Donc, tant pis. Eh ben, bon Imperios. Il s'est empâté. Bah, il est devenu vieux, surtout, donc bon. Bon à Guillaume. Cham Cham le vieux, mais oui. Orion tête de fion. Bah bravo, hein, franchement. Bah non, on a trouvé qu'il était mignon, qu'il avait des traits sympathiques pour copuler avec notre fille. Alors c'est comme ça.
Bah, il va bientôt mourir. Non, il vient que de devenir. Regarde, il a encore plein de jours. Par contre, Marina, ouais, elle va vieillir. On va la faire vieillir un petit peu plus vite que prévu pour qu'elle puisse rejoindre son mari dans la tombe. Enfin, quoi qu'ils sont même pas mariés. Non, elle est même pas mariée. Je les ai même pas mariés, j'ai eu cette flemme. Ça m'arrive souvent, ça aussi. Sont très beaux, c'était pour le jeu de mots. Bon, ça va alors. Alors, si vous entendez des coups dans mon plafond, hein. Vous inquiétez pas. C'est chez moi, c'est pas chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bon, il reste 10 minutes. Tu veux faire des blagues? Elle va raconter des blagues. Ouais, le temps qu'il bouge de son fion jusque-là, bah, il sera déjà l'heure d'aller à l'école, regardez. Allez, paf! On doutait. Et salut Jade, comment vas-tu? Allez, vas-y, va en cours. Melba, tu vas te faire des amis. Et Totoya aussi. Hein. Totoya. Oh, super. J'aime pas leurs uniformes là, c'est moche. Vivement qu'on déménage. Hein. Mon Komorebi, je suis pas fan au final. Alors, Dahlia! Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas engueuler ta mère? C'est quoi ça? Kazuki Kudo! Il est déjà adulte. Bon, il a un look de merde, mais il faut la caser, hein. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on. Non, et puis il y a les yeux marrons. Non. Bon, Jacqueline là. Non, c'est pas elle, Jacqueline, mais c'est pas grave. Dahlia, il va falloir te trouver un mec. Ouais, ils sont tous ados, hein. Bon, il va falloir aller à la pêche. Aller à la pêche au mâle. Du moment qu'il soit jeune adulte et célibataire. Va à l'école, toi, si t'es adolescent. Voyons, bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup, Jade, pour ton follow. Bienvenue à toi. Parce que dans le coin, c'est un peu mort. Ils ont eu le temps de mourir 15 fois, les gens du quartier, quand même. Regardez. Ah bah, c'est toujours le même. Attendez, là, il y a quoi? C'est une fille. Après, on peut mettre Dahlia avec une fille. Ça ne me dérange pas. Chantal. Non, elle est trop moche. Elle est shootée. C'est vrai que les couples lesbiens ou homo, on n'en a pas fait trop hein, dans le Notre Sobérie au final. Je me souviens pas d'ailleurs qu'on en ait fait beaucoup. Eh, 3000 simflous de droit d'auteur. Merci, notre petit chamallow. Je sais plus comment il s'appelle. J'aime trop son style. Regardez comme elle est mignonne. Elle a trop un pur style. Oh, Jacqueline, là, tu te calmes. Qui c'est qui? Ah, Chamallow a envie de goûter à la guitare de l'enfer. Salut mon soldat, comment vas-tu? C'est quoi les règles? Bah voilà. Salut Titi Chris, comment vas-tu? Tu as les règles. La beauté, on s'en fout. Toya, il a un peu de ressemblance avec Pulco. C'est moi qui pense ça. C'est parce que c'est le côté blond, je pense. C'est le côté blond. Absolument pas, petit dauphin, je suis à la génération 8, la vraie génération pêche. Bah vas-y, invite-toi aussi. Alors forcément, tu vois pas, parce que lui, mais normalement, il a les cheveux roses comme... Là, c'est sa sœur. C'est la sœur de Chamallow. Visiblement, elle a fumé de la bonne, encore une fois. Et, oh, les factures et tout. Bonjour, la sœur, comment vas-tu? Mais bon, c'est un peu compliqué de faire la couleur pêche dans les Sims, donc ne me remue pas le couteau dans la plaie. J'ai déjà du mal avec cette couleur. Mais ça se voit pas, mais ils sont jumeaux. Hein, voilà. Ah mais oui. Bah, alors oui, non mais parce que la deuxième génération, c'est rouge en fait.
En fait, je sais pas comment ça a été traduit, mais c'est bizarre. En fait, c'est rouge, donc c'est menthe, rouge, jaune, gris, prune. Voilà. Gris, prune, orange, rose. On est là, voilà. Ça, ce sont les héritiers précédents. Bah, vas-y aussi. Ah, il m'a sorti. Donc, ça, c'est Pepper, notre fondatrice. Son fils, Bordeaux. Comme ça. Un vrai tombeur. Son fils, Pulco. La génération jaune. Sa fille, Nunu, nuage. Nous allons ensuite descendre avec Lila, de la génération prune. Une beauté! Copper, de la génération orange. Et actuellement... Eh bien, enfin, actuellement... maintenant, il a pris un sacré coup de vieux, mais c'était Chamallow. Mouah! Un trésor enrobé de sucre. Miam, 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 de la génération rose. Voilà. Donc, j'ai pas encore fait les portraits de Toya, qui est notre héritier de la génération pêche, parce que bah, j'attends qu'il soit jeune adulte. Mais il s'éclate là, Chamallow. Ah ! Qui c'est qui est parti ? C'est Merguez. Le lancement de la fusée miniature de Merguez a entraîné une opération lucrative d'extraction d'astéroïdes. Certains des minéraux spatiaux obtenus ont été placés gracieusement dans l'inventaire du foyer. Mais c'est formidable ! Bon, Cocotte, au lieu de regarder ton père, tu peux pas les draguer un peu, je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez ? On la met en couple avec une fille ? T'es mignonne, toi. Est-ce que c'est pas quelqu'un que je viens de... Non. Elle est célibataire, la la l'air, vas-y. Je crois qu'elle a les yeux marrons. Pff, de toute façon, on pourra pas faire de bébé avec une fille. Enfin, on sait jamais. Hein. Coquelicot, elle avait réussi à faire des bébés avec sa copine. Ah si, Coquelicot, du coup. Coquelicot, elle était en couple avec une fille, c'est vrai. J'avais oublié, ça remonte à loin. Hein. C'est quoi les prochaines couleurs? Ouais, c'est vert et après bleu. Elle est en couple avec une fille. Ça peut être cool, mais tu l'as fait enceinte par le Saint-Esprit. Bah ouais, je leur ferais faire un bébé ensemble. Comme ça, au moins, tant qu'elle se casse, c'est l'essentiel. En espérant bien sûr qu'elle chope les yeux de Dahlia. Hein. Mais elle est mignonne, elle. Ouais, les yeux marrons, hein. Vous savez que j'aime pas, mais c'est pas grave. C'est pas une héritière, donc on s'en fout. D'ailleurs... Je vois que mon jeu ralentit. Voilà. Pour YouTube, je vous informe que j'ai encore eu des problèmes de jeu qui plante. Donc, on n'est pas à l'abri d'avoir quelques mauvaises surprises de ce type. Tu peux te barrer, toi, en fait, t'es moche. Voilà, dégage. Bah après je m'en fous, elles font ce qu'elles veulent, tu vois, parce que en vrai je vais pas les gérer. Ah, tu es tellement drôle, j'adore passer du temps avec toi. Et j'espère que c'est réciproque. C'est une machine à danser, oh la coquine. Alors lui, mais regardez-moi ça là. Je suis content. Bon, lui, il est censé se barrer, hein. Ah, Floopy! Bon, objectif, Dahlia se tire... Oh, la fatigue. Dahlia se tire de là. Demnoumi. Oui. Catherine à Diva. Tiens, ça, c'est pas à toi, Martial? Il me semble que c'est à toi, ça. Tu peux te barrer en fait. Je t'ai demandé de te casser de là, toi. Mocheté, dégage. Oh, 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 oh. C'est trop drôle la vie. Ah là, laisse les filles entre elles là. Elles ont des trucs à se dire. L'adoption. Salut Kitty, comment vas-tu? Non, c'est dans la tête. Les jeux qui plantent, pourquoi? Lapin compris. Lapin compris. Ce beau teint nacré, très très nacré.
Qui ça? Je comprends rien ce que vous... à chaque fois que je vous lis, je comprends rien. J'ai un quoi? Pourquoi? Le Sims. Ah non, j'ai pas dit que c'était moi, juste je comprenais... Lequel? Elle? Ou le moche qu'on a jarté? Eh, j'ai oublié. Bon après, c'est pas grave s'il se fait des amis ou pas, de toute façon... Vu que ça sert pas à grand chose pour la suite, mais... Bah du coup, on va le faire réviser plutôt. Oh, pourquoi t'es colère? Il a pas fait caca. Bon, ça sert à rien, de toute façon il va revenir dans 10 minutes. Bon allez, tu la dragues maintenant. Ça suffit là. Courtiser. Tu cotises, tu cotises. On n'a pas le temps de niaiser. Toya est rentrée à la maison avec un projet scolaire. Super. Allez, tout le monde... Oh, mais le bal, elle est colère, elle va faire caca culotte aussi. Néo. Et lui, il continuera à chanter, à dire de la merde. Toya, tu vas... C'est quoi ça? Du poulet au beurre. Tu vas faire un repas gastronomique. Qu'est-ce que tu vas faire? Une soupe de courge musquée. Rien que ça. Alors toi, tu pourrais peut-être éventuellement venir discuter ici. Toi, tu vas te calmer tes ardeurs dans le miroir. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Je crois que Chamallow se découvre une passion très tardive pour le chant lyrique. On n'est pas dans la merde. Faut savoir que pour les nouveaux, je sors les souffles de trou de marignade, c'est ça. Je dis tellement de conneries à la minute que si vous répondez à l'une d'entre elles, moi c'est déjà plus ce que j'ai dit. Donc limite, il faudrait que vous mettiez topic, point de ce que tu m'as dit. Et puis après votre réponse, parce que moi sinon je nage dans le brouillard, je comprends plus rien. Ça va bien, Kitty? Monsieur, très très bien qu'on a jarté. Tu es raciste, toi, non? Je rigole, oh là là. On ne sait jamais quand elle regarde le chat, des fois c'est juste de mauvais timing, c'est la vie. Oui aussi, oui. Attendez, je vais vous augmenter le son, là. La 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 la. Mais non mais je rigole, les rulines. Mais elle va pisser, mon vieux papy. Ah bah y'a tout le monde qui... Y'a tout le monde qui est venu le mater. Mais j'en peux plus. Oh, c'est une gloutonne ta copine. Va la draguer un peu. Je crois que ça a marché un peu. Hein. Je crois que ça a marché un petit peu. Et lui, il fait son beau gosse, là. T'as bouffé? Non, fais pas la vaisselle. Va pisser avant que ton père y aille. Mais putain, mais Chamallow, mais arrête. J'ai pas mis le bébé Move Objects. En même temps, j'ai pas joué aussi aujourd'hui, donc forcément... Mais Chamallow! Mais il a fond, hein! Je chanterai jusqu'à la mort, Cham Cham! Mais. Si, j'ai augmenté le son! Moi, je suis à 100% en fait, hein! Moi, je suis à 100%! Et vous aussi, vous êtes à 100%! Donc en fait, il faudrait que. Hey, aidez votre fils là. Allez, c'est bon là, Chamallow, t'as assez entendu. Toi, va faire caca en étant en colère.
Dahlia. Dahlia. Ah, ça ex... Eh, ça passe. Hein. Ça passe. Hein. Oh. Oh là là. Oh, ça m'excite ce que tu fais là. Oh là là, la coquine. Ouh, elle répond en plus. Allez, changez les numéros de téléphone. Avouez son attirance. Premier baiser, échangé. 5 minutes après t'avoir rencontré et... Ah ouais, moi aussi, c'est... Je fais la même chose quand Martial il m'envoie un message. Mes oreilles. Vous avez vu une diff, les copains? Vous avez pas vu... Putain. Attention! C'est pas Timon Zazaï. Alors, on n'a pas de lit double à part dans la... Vous voyez, le jeu a compris que je voulais les faire faire... voilà, faire crac-crac avec Véronique. Écoute, tu vas... Mais qu'est-ce que tu fais? Bon, ça l'a fait... Ça l'a fait... J'ai dit ça l'a fait rire, mais j'ai entendu des tels coups que je me suis demandé qu'est-ce que c'était. Vous avez pas entendu des putains de coups? Oui, j'ai des placards, bah, qu'est-ce que tu crois qu'elles font? T'as pris des fesses, ma petite Dahlia. Ça, c'est mon téléphone. Oupa, pou, 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 pou. Oh, Merguez nous a ramené une carte postale. Incroyable. Par contre, ça m'a cassé les oreilles, les entendre faire crac-crac, là. Ah, il s'est pissé dessus? Non. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle était partie dormir, quoi. Genre, rien à foutre. Si, regarde, t'as un dîner, là, que ton frère, il t'a fait. Parce que, bon, là, c'est Toya hein, qui m'intéresse. Hein. Vous savez que les autres... Je les gère plus trop. Véronique, nique, nique, s'en allait tout simplement dans le placard magique. Avec Dahlia la coquine, elles se sont fait des... Se seront comptées des comptines. La la ni na ni na na. C'est l'amour. D'ailleurs, maintenant que c'est fait, on sauvegarde évidemment, avant de perdre tout. La fameuse Véronique. Voilà, il a une meilleure note, Biquet. Qu'est-ce que tu veux faire? Donner une friandise? Non, tu vas raconter des blagues. C'est ta sœur qui va s'occuper des rongeurs. Elle va aller, parce que Dahlia va s'en aller, donc faudra bien... Faudra bien faire ça avec les autres. Hein. Alors, ça y est? T'es en couple? Ou en pré-couple? Vous connaissiez, vous, l'existence des pré-couples? Hein? On est d'accord que c'est complètement débile comme idée? Hein? Allez, c'est la mûre, c'est la mûre! Baiser passionné. Tu vas demander en mariage direct. Et dire qu'elle s'est levée ce matin, elle la connaissait pas, elle va terminer la journée, elle le sera fiancée. Tadadam. C'est un oui ou c'est un non? Oh putain, c'est arrivé tellement peu de fois. C'est arrivé tellement peu de fois. Voilà. Ouah, attends, cela va tellement vite. On vient de s'embrasser pour la première fois et tu veux déjà qu'on se marie? Pourquoi autant de précipitation? Profitons du moment présent, on pourra penser au mariage plus tard. Elle a faim, la coquine. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux astiquer à la perfection? Alors, on va te mettre enceinte, ma petite. Début de la grossesse. Ah!
Bah, il veut forcément que ce soit un Sims mâle. Ah oui, mince, non, bah non. Non, 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 non. Bah tant pis, on fera ça plus tard. Faudrait que je change les caractéristiques de la fille, qu'elle puisse la mettre enceinte. Voilà. En tout cas, elle est casée, donc elle va pouvoir... Ah, tu peux déménager avec elle d'ailleurs, comme ça suffit. J'en ai une de moins à la baraque, j'ai envie de dire, c'est tant mieux, hein. Elle est où? Elle est là, ta copine? Tac, tac, je peux venir vivre avec toi? Allez. Alors, il y a de fortes chances qu'on soit téléporté ailleurs, hein. Je vais attendre qu'elle va lui parler pour que je puisse enregistrer. Ici, par exemple. La défaite. Imagine, elle dit non. Oh, il n'y a pas de raison. Emménager ensemble, ça passe toujours. Mais qui suis-je? Oh, elle est plus responsable, c'est pas grave. Coup dur. Ah ouais, non, mais ça pue. Hein. Non, ce n'est pas n'importe quoi, les pré-couples. La preuve, je le suis avec Tom Hiddleston. N'importe quoi, Gachel! Bah alors? Oui, bah, d'adopteront de leur côté, hein, moi, je... Oh, la cuisine est dégueulasse. Elle a pas demandé. Niveau 9 de cuisine pour Cham Cham. Ce râteau. Ce ratal. C'était un magnifique ratal. On n'a pas l'habitude d'en voir, hein. Je me souviens de Gigi, moi qui a eu du mal à emballer son Florent. Hein. Ah ouais, c'était chaud pour le choper. Hein. Mais t'es sérieuse? Ouais, dis bonjour à... Tu vas voir. T'as mis de nouvelles tenues. Mais pas amour. Pourquoi je clique dans amour? On dirait Pepper Potts avec cette coiffure, en vrai. Salut Louise, comment vas-tu? On dirait trop Pepper Potts. Comme quoi les hommes de fer l'ont laissé de marbre. Ah, oh, padadam! Glouton, bah ça j'avais pas besoin de... Hein? Au revoir, président! Au revoir, au revoir, Dahlia! Au revoir, président! Et voilà, on est transporté dans l'autre foyer. À chaque fois, ça me fait ça, ça m'énerve! Si, si, Quentin. Si, si. Gigi, c'est la mère d'Hélène, c'est Gisèle. Gisèle et Florent. Eh ben, c'est super! On va sauvegarder. Puis on s'en va. Gérer les mondes, sauvegarder et gérer les mondes. Allez, salut Dahlia, on se reverra aux événements sociaux, je vais dire. Oui, aux événements sociaux, familiaux, quoi. Tout à fait. Et reprenons la route avec notre Totoya. Et une de partie. Après, ben, il va bientôt devenir jeune adulte. Faudra qu'on se concerte ensemble pour savoir où il ira déménager. Donc peut-être aussi YouTube, n'hésitez pas à dire dans les commentaires vos... Et tu vas retravailler? Vos suggestions. Mais c'est quoi ce... Oh? D'où t'as pas fait le ménage, toi? Vos suggestions pour savoir là où il va habiter. Hein.
Comment ça t'es fatigué? Mais j'ai passé une demi-seconde. On était vraiment aussi tard que ça, 23h? On n'a pas dit Oasis. Sondage, ouais, mais alors pas tout de suite, tout de suite, mais je sais plus pourquoi on aurait dit Oasis. Ça semblait, il me semble, ouais, qu'il y avait un truc dans le genre. J'avais dit ouais, c'est pas bête, mais en vrai, je sais plus. Coucou Marie, allez tout le monde, on répète. Coucou Marie, bienvenue ma petite Marie. Je parle pas de toi, mais tu vois, tu es arrivée. Avec ton petit raid et tes petits belges qui me disent coucou. Coucou Marie, comment vas-tu, ma petite? J'espère que ton live s'est bien passé. Soulani, Wodotonbe serait cool. Soulani, ouais. Soulani, ouais. Ouais. Et coucou aux petits belges qui t'accompagnent, du coup, évidemment. Coucou la Charlie, coucou le chat, coucou YouTube. Comment vas-tu? Merci beaucoup pour ton raid. Sim va mourir. En faisant le ménage, bah heureusement qu'elle le fasse le ménage. Ouais, on l'a engagée que pour ça, hein, je viens de dire. Hein. Quand même. La seule condition, c'était que qu'elle fasse le ménage à la cuisine. J'ai fini v'là en retard. Eh ben alors, qu'est-ce que t'as fait, ma coquine? T'as dépassé? Marier les petits Belges. Ça va devenir un truc, hein, marier les petits Belges. Les petits Belges de Marie. Moi, je dis, c'est une... Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, il pleut, incroyable. T'as rien à foutre de ta vie? Oui, c'est ça. Passe l'aspirateur dehors sous la pluie. Logique incroyable, ça, si. Punaise, on a encore le berceau pour Toya. Je l'ai jamais viré. C'est bête. Bon, j'accélère, moi, elle fait sa vie, hein, elle se démerde. Comment ils vont, Merguez et Roger? Bah justement, elle y allait. Oh, c'est mignon. C'est mignon, tu vas aller parler. Parler au rongeur, voilà. Ça, ils vont être en super forme de la mort. Bon, Merguez va un peu moins bien. Dis un secret, vas-y, dis un secret à Merguez. Ouais, Et j'ai fini ma save pour le Laurent Lady. J'espère que tu sauteras pas au plafond si j'ai fait des erreurs, Loul. ah si si, puis je vais faire gna 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 gna. Je le sais que je fais gna gna gna. On a dit pour la Génépêche, ça serait top Oasis pour la couleur du quartier parce que ça change et finir en beauté sous la nuit. Ah bah voilà, on va aller à Oasis Springs alors. Ça veut dire aussi construction d'une nouvelle maison. Attends, Biquet, tu vas pas me faire la cuisine comme ça, hein. Bon, alors, c'est le seul mâle. Il est un peu jeune encore, les enfants. Calmez vos hormones. Capa. Tu vois, je sais que je fais gna gna gna. Je le sais, Marie, que je fais gna gna gna. Mais il commence à avoir une naissance d'abdos. On va travailler dessus, on va travailler dessus. Bon, on a encore du taf, hein, parce qu'il y a. Qu'est-ce que tu voulais faire? C'est quoi ça, pain perdu? Non! Je veux que tu fasses des pastas au petit-déj. Tu comprends ça? Des pastas primavera. Des bonnes pastas. Qui mange des pâtes, toi? Elle est où sa sœur? Ah bah t'as raté. Sa sœur, elle vient de partir, elle a déménagé. Elle a trouvé l'amour de sa vie. Une de moins. Pouf! Elle était jeune adulte et dégage. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu as dit t'en as rien à foutre de ta vie, je me suis sentie personnellement agressée. Mais non, mais pourquoi? Mais n'importe quoi! Quand même. Pain perdu, c'est meilleur au petit-déj, ouais, j'avoue. Bah quoi, des pâtes, ça tient bien au corps? Les sportifs, ils mangent des pâtes? Ils en mangent 5 à 6 fois par jour?
Elle a trouvé son mari reproducteur. Ouais, elle a pas de copain. Elle a trouvé une fille. Elle a eu le coup de foudre, pour une fille. C'est comme ça. Avec des yeux marrons. J'ai trouvé une fille bien. J'ai dit, allez, ça, on la met avec une fille. Oui, allez hop, elle dégage. C'est quoi un challenge ou un let's play? Alors, un challenge, Harilou, eh bien, c'est que tu as des buts à atteindre. On te dit, voilà, tu dois avoir autant de niveaux, par exemple, une compétence comme nous, on doit faire en cuisine gastronomique ou en comédie au niveau 10. Ou une carrière au niveau 10. Alors qu'un let's play, c'est, tu fais comme tu sens. T'es pas obligé d'atteindre des niveaux 10, de faire j'arrive pas à parler. De faire des patterns de trucs, on te guide pas, tu fais ce que t'as envie de faire en fait. Tu te dis, bah tiens, j'ai envie que mon Sims il fasse telle carrière, et puis après t'as envie de changer, bah tu le fais, et puis t'as encore envie de changer, bah tu le fais. Tu fais ce que tu veux. C'est ça la différence. T'as pris une fille avec des yeux marrons, t'es malade. Non, j'étais pressée de la dégager, surtout. Et Ruerios, je sais, mais ce que tu es en train de faire... Ah, bah c'est un challenge. C'est le Notre Sauvery. Oui, elle s'appelle Véronique, Nick. S'en aller tout simplement avec Dahlia sous le bras. Dans le placard, elles ont fait crac-crac, elles ont pas pu faire de bébé parce que Véronique n'a pas de pénis. Eh bien, une autre Sauvery, c'est un legacy sur 10 générations où chaque génération a des buts précis et une couleur précise. Comme tu peux le voir. Oups, ici, c'est les portraits des Sims qui ont précédé, avec les couleurs qui ont précédé. Donc je refais le tour, hein, je suis désolée pour ceux qui connaissent. Hein. Pepper était la génération menthe, Bordeaux la génération rouge, Pulco la génération jaune, Nuage la génération grise, Lila la génération prune, Copper la génération orange, et il est vieux mais il est toujours là, Chamallow la génération rose. C'est pour ça que la maison est rose, comme tu peux le voir. Et le reste des chambrées est de couleur orange clair, plutôt pêche, puisque c'est la génération pêche. Et donc c'est Toya, c'est le garçon qu'on a eu, qui est l'héritier. Parce que le jeu a décidé que ce serait l'héritier. Voilà, c'est pas nous qui l'avons choisi. Et donc voilà, tu as le lien où tu pourras retrouver toutes les règles précises de chaque génération. Et nous, on est bien avancé, tu vois, déjà. On est plutôt vers la fin que du début du challenge. Et c'est vraiment un challenge très très cool. Je vous conseille si vous avez envie de vous amuser. Il y a des choses que, par exemple, moi, je n'avais jamais fait. J'avais jamais été sur Sixam. J'avais jamais... j'avais pas fait beaucoup de carrière. J'avais pas été jusqu'au niveau 10. Donc c'est vraiment un truc sympa à faire. Si vous vous ennuyez et tout ça, vous avez envie de challenge et quelque chose de long, pouvoir évoluer des familles, et ben c'est parfait pour ça. Quoi. Il est mort de... toi, tu peux faire le ménage, s'il te plaît, parce que franchement... Et lui, il bosse plus. Si. Ah, il est en week-end encore. Pfff, Chamallow. Je sais pas, fais quelque chose de ta vie, mon biquet, non? Qui c'est qui est mort? Alors, Melba. C'est Melba, on s'en fout, on va faire l'empathie. On va accélérer un peu le temps parce qu'en fait, on s'en fiche. Il fera ce qu'il veut. Il s'occupera aussi de tout vendre ses trucs. On n'ira pas à l'université. Je peux ranger. Ouais, elle est vieux là. Non, non, Dahlia, c'est bon, casse-toi. Ah merde, on a pas payé les factures. Heureusement qu'on n'est pas dans le Legacy. Mais je sais pas, moi, écrit un bouquin, mon petit. Ouais, attends, on a plus d'électricité. Viens jusque là, parce que le temps que t'y arrives, t'en as pour deux jours. Ah, mon titi. Oh là 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 là, grand garçon de chat. Bon, il viendra pas vous dire bonjour, vous avez l'habitude. Mon chat n'a pas envie de vous dire bonjour.
Allez, va créer un scénario, on s'en fout du titre, vu que... voilà. Bon, ben on va attendre maintenant. Oui, 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 je vais la faire vieillir. Je vais attendre un petit peu. Comme ça, elle va rejoindre... parce que sinon, on en a pour 13 jours encore. Donc... Madame la baronne, la duchesse. Et que Toya se rapproche de l'âge de jeune adulte dans 4 jours, ça va être très rapide. Ça va être très 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 rapide. J'aimerais avoir le niveau 10 des deux compétences qu'on nous demande. Mais c'est du taf, parce qu'il faut qu'il fasse ses devoirs en rentrant et qu'il s'occupe comme il peut, quoi. Cham Cham, sa DLC va passer quand? Bah, il vient de devenir vieux, hein, donc ça va encore. Hein. Voilà, il lui reste quand même quelques jours encore. Hein. Demain, je vais être prof pour ma pote, je vais lui apprendre ce que c'est les CC. Ah, trop marrant! Après, est-ce qu'on peut ajouter de la difficulté en réduisant la durée de vie? Oui, tu peux, Erios, mais je te souhaite bon courage. Parce que ça va pas être de tout repos, surtout pour faire les carrières. Tu vas, logiquement, je ne sais pas comment tu vas faire pour y arriver, parce qu'il y a, franchement, une carrière de... Enfin, une carrière sur la durée de vie normale, des fois, c'est très, c'est limite, hein, déjà, donc... Bonne soirée, Camille, des bisous! Mais après, tu fais comme tu sens. Bon, voilà, je mets sur 3 parce qu'en fait, on s'en fout. Bah voilà, Cham Cham a terminé un bouquin. Mais c'est super. Ouais, c'est bon, c'est... j'étais pas sûre que j'étais avec lui. Vendre un... Ah non, attends. Il a tout ça comme bouquin? Bah tu vas tout me mettre. Hein. L'attaque du lapin, Rosette la chaussette. Oh, tous les titres de merde qu'on a mis quand même. Ah tiens! Quoi Titi? Notre fille, elle a à peine sorti du bercail qu'elle revient. Alors, tu vas l'attaque du lapin de poussière. La saleté de lapin. Comment écrire un best-seller en 10 étapes? Sous la couette, c'est la fête. Ah, je me souvenais plus. Et Stevie à tout prix. On va gagner encore des pépettes, hein. Oh là là, star montant, tu te la pètes, mon petit. Cham Cham, une star. Voilà notre fille, hein. Elle vient nous... Bah, elle est toujours... Elle est encore shootée. Eh, mais il fume de la bonne, hein, dans la rue, hein, quand même, c'est... Ils sont tous shootés. Hein. Salut, la drôlesse, comment vas-tu? Ça fait drôle de voir Cham Cham vieux. Eh oui, d'ailleurs, en parlant de ça, on va sauvegarder. Le petit mur, bah, c'est Titi. Il est juste derrière ma chaise. Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, câlin. Tu veux pas dire bonjour, Titi? Tu veux pas montrer ta petite bouille de chaton? Hein? Il veut bien que je le caresse du bout du doigt, mais pas plus. Hein. Il sait que vous êtes là, donc il s'est dit non, non, mais moi, je me fais pas attraper pour passer sur la caméra. Mais quelle saleté, là, là! Elle va faire des crises cardiaques à son père. Oula! Roger! Oh, Roger! Oh, Roger, il est sale. Roger, il est sale. Roger, ça va pas. Roger, ça va pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On a Duchesse, vas-y. On a Roger à sauver, là. Faudrait pas qu'il meure une dixième fois. Hein. Melba doit... Oui, Louis. Ah oui, toi, il faut te caser aussi, cocotte. Oh, putain, tu pues ta mère, toi. Oh, va te doucher. Ah, ben, c'est pas lui qui nous intéresse. Nous, c'est Orion. Orion. Alors, en attendant, toi, tu vas faire un peu de guitare. S'entraîner, ouais, tu vas t'entraîner. Il veut pas être influent chat. Ah, c'est trop chou! Merci beaucoup, Marine, pour l'abonnement offert à la drôlesse. Attention à ta carte bleue, ça suffit maintenant. Je vais venir chez toi, je vais les couper, hein, toutes. Merci beaucoup. Je te fais un gros bisou.
Et à Smiley Bull, merci beaucoup. Mais Marine, elle a sa carte bleue qui fuit, hein. Ouais, mon frère, t'as trop de talent, hein, tu vois. Je prépare ma miniature, hein. Non, il veut pas. Ah, tu veux pas, Titi? Non, tu veux pas être influent chat? Influenceur. Mais viens. Oh, il est chiant. Vous inquiétez pas, sur le best-of de dimanche, vous le verrez. Il sera sur le best-of, Titi. J'ai des factures. Ouais, à qui le dis-tu? D'ailleurs, je vais regarder un truc. Possiblement que... Bon, il a joué, c'est bon. Jacqueline, là. Va raconter des blagues un peu. Melba, tu peux appeler Orion. Tu vas discuter, envoyer un SMS, discuter, envoyer un SMS. Bon alors, raconte, fais-nous rire. Ouais, alors c'est l'histoire d'un Sims. Devinez qu'est-ce qui lui est arrivé. Attendez. C'est l'histoire d'un Sims qui avait un micro dans la main et puis poum, il se l'est mis sur la tête. Voilà. C'est un attache chiant. Oh non, il est chouchou. Mais il veut pas se montrer. Il est coincé, maintenant il veut plus se montrer. Il y a quelqu'un qui a dû dire une bêtise sur le chat et ça l'a vexé. Il fait que des câlins à sa maman maintenant. Il monte sur le bureau que quand vous êtes pas là. C'est vrai en plus, hein. Alors il y a un truc que j'ai pas compris. Ouais, excusez-moi, je suis en train de regarder un truc, j'ai pas compris. Je verrai plus tard. Quoi qu'il est mignon comme ça, là. Il a des beaux yeux. Quelle blague du donneur. Ah, t'as vu, hein, c'est... Moi, je suis une comique aussi, hein. Non, c'est vrai qu'il a des beaux yeux, Toya. J'espère que ses enfants et sa future femme aura des beaux yeux aussi. Alors. Après la compétence cuisine, je m'en balec. T'en es où? Ah, il va faire un petit niveau 7. Comme ça, on sera encore égalité avec la cuisine gastronomique. C'est bientôt l'anniversaire de Melba. Melba, retire le haut. Est-ce que tu vois mes petits lolos? Pardon, excusez-moi. J'aime beaucoup, je trouve chou ce Toya. Oui, non, ça va, c'est ce que je disais, il est mignon, quoi. Il est mignon, donc ça va, c'est... Bon, j'aurais préféré avoir une fille, quand même, pour une fois, mais il est beau gosse, ça va. Toya, enfant, je le trouvais moche, Mado, il est pas mal... Ah, mais enfant, il était pas beau. Enfin, il était mignon, mais rondouillard, très rondouillard, hein. Il était pas terrible. Ça va mieux en grandissant, et puis il va évoluer, t'as un Pokémon. Au niveau de la coupe de cheveux, parce que... Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a bien aimé, cette coupe de cheveux. Avec son piercing, mais oui. Et puis, il aura de la beubare après. Et des abdales. Ah, Orion est arrivé, ouais, ouais. Ils vont se mettre sur le lit, oh là là là. Ils vont faire des petits pampans zizi. Allez, Melba. Tu emballes, hein. Tu l'emballes, le petit Orion. Hein. Faire connaissance. Non, fais pas de malice. J'ai pas envie que tu foires tout, là. Et tu vas flirter.
et parler de cuisine parce que tu es une fille. Non, c'est pas ton frère que tu dois draguer, hein. On a atteint le niveau 7, j'ai pas fait attention. Pas encore. Voilà, bah ça y est, ok, nickel. Allez, va au petit pipi, mon petit Toya. Oui, vas-y. Bon, elle, il faut qu'elle arrête de faire à bouffer aussi toutes les deux secondes, là. C'est à lui de faire à manger, maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire de bon? Des œufs bénédicts. Ah oui, des œufs bénédicts, ah oui. Ah oui. Ils m'ont emballé toute la soirée. D'ailleurs, en parlant d'emballer... Non, juste. Petit clip. Je ne vois pas pourquoi. Mais qu'est-ce que tu fous, toi? Mais drague-le, là! Oh là là! J'en ai marre de ces Sims, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. À travers toutes les parties et tout, et ils font jamais ce que je leur demande. Ça m'énerve. Hé, hey, tu vas lui rentrer dans le lard direct, tu vas dire « Chérie, je te veux, couche-toi là que je te fous chevauche. » Et lui met la table. On est d'accord, je vais demander de faire à bouffer. C'est bon. Là, j'ai failli m'énerver. Mais oui, parce qu'elle fait chier son monde, ta mère. Mais t'inquiète, tu vas reprendre ta... Oh, une rose! Tu l'as volée dans quel jardin? Qu'est-ce que tu fais, toi, Jacqueline? Hey, reprends ton chili végétarien et casse-moi pas les burnes. Allez, Melba! Allez, Melba! Viens voir, il a quel âge? Oh, nickel! Il va devenir jeune adulte et elle aussi. Ah, ça c'est bon, ça. Oh, purée, ça va être tellement cool. Fais-moi des œufs bénédicts. C'est le bail, ce petit loulou. Je vois pas de quoi tu parles. Alors, là, c'est le petit haut. Enfin, la responsabilité, toujours... Embrasser les mains. Tu la dragues. Ouais, tu la dragues. Enlace-le. Ça va au niveau des œufs bénédicts là, tu. Ah, tu les fais comme ça. On est bien sur des œufs bénédicts. Hein, ouais. Cuisine gastronomique. Ça monte, ça monte. Ton grand-père, il en a fait des pâtisseries, mais alors. Presque toute sa vie, tellement c'était chiant à monter la pâtisserie. Wouah! Comment il a fait ça? Rattrape-le. J'ai vu la pub. Je vais la passer. Premier baiser échangé sur le porche. Tout mouillé. Le temps que je trouve une rime en « et ». C'est donc parti pour la pub et c'est parti. C'est bien dommage pour ceux qui ne le verront pas. Ben si, vous avez quand même le baiser. Et c'est super. Du coup, ben, c'est l'heure de la pub. 30 secondes les enfants, n'hésitez pas à mettre dans le chat si vous avez une pub. Parce que vous contribuez à ma très très grosse richesse et à l'achat de mon futur château manoir avec vue sur la mer. Pour vivre avec Martial, évidemment. A tout de suite. Et c'est pour Oti. Allez! Tu flirtes? Allez, est-ce que tu veux être mon petit ami, hein? Oh, ouais. Oh, yes! Et voilà. Les filles sont casées. Alors que notre ami Totoya, eh ben lui, est encore célibataire. Tu vas me reprendre des petits œufs. C'est ça les œufs bénédicts? Ils m'ont l'air vachement gras tes œufs. C'est quoi la version américaine des œufs bénédicts? Ils ont mis quoi avec? Alors Orion, t'es content? Tu connais Toya? Il y a l'air qu'ils ont l'air de se connaître. Ils sont potes un peu? Ou très peu? Enfin, même pas.
Ouais, va te coucher. Elle déménagera quand elle sera jeune adulte. Puis ce sera bien, quoi. Je ne suis pas capable de faire ce que Toya fait en cuisine. Oh. Ah, c'est la cuisine gastro, hein. C'est pour ça. C'est le bug que I devrait corriger avant tout, le fait qu'il se lève, qu'il s'assoie n'importe où sans qu'on le demande. Oui, oui. Je vais tellement te voir rager contre tes Sims. Ouais, mais les plantes, c'était la génération rose, donc en vrai, on s'en fout maintenant. On s'en fout des plantes maintenant. Je compte pas mal l'achat de ton château manoir au bord de la mer. Oh mince, Gachelle! Alors, comme je vois que t'as Prime, t'es obligé de le mettre chez moi. C'est comme ça. T'es obligé de me donner de l'argent maintenant. Je rigole, hein, évidemment, je plaisante. Je participe encore à la future richesse de... Oh, merci Kitty, c'est gentil! Vous me faites rire. C'est une ref à une vidéo YouTube. Ah, à mes plantes! Très bien, je vois. Je vois très bien. Ça, mais là, dans notre Sobiri, ça va, on est tranquille, on est bien. On s'en fout. Regarde, on a 163 000. Tranquille et 1000, quoi. Ah, on va en profiter qu'ils dorment pour re-sauvegarder. Je préfère le faire parce que le jeu a tendance à planter un peu n'importe quand chez moi. Donc bon, ce serait dommage qu'on perde complètement, comme c'est déjà arrivé. À la presque fin d'un live, on avait tout perdu, on a dû recommencer. Souvenez-vous avec Copper, hein, voilà, c'était l'époque de Copper. J'ai déjà fait Prime chez toi, j'attends que... Non mais bien sûr. Je n'oblige en rien Gachelle, hein, c'était une vanne, t'inquiète pas. C'est normal, tu le fais où tu veux, tu rigoles. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas aller bosser toi aujourd'hui, hein, tu vas me laisser tranquille un peu. Oui, il va aller bosser, tant mieux. Les vieux là. 5h du matin, ils sont déjà debout. J'ai envie de la rendre vieille aujourd'hui. En plus, elle fait... T'es chiant, hein, Chamallow. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu travailles... Qu'est-ce que t'as été foutre là-bas dans le jardin? Ça va pas bien? Ah, que tu es beau, Chamallow. Il a besoin de la douche, par contre. Je dis ça, ni rien. C'est l'héritier, hein, c'est lui qui a la priorité. Oh là là, d'accord, j'ai compris. Alors, tu vas aller te doucher, tu vas épicer. Oh là, oh là, attends, il y a Merguez qui a besoin de toi, là. Nettoie. Ouais. Oh là là, Roger. Oh là là, Roger. Oh là là, Roger. Oh, j'ai peur. Hein, le défi, c'est de garder Roger en vie jusqu'à la fin du challenge, maintenant. Pourquoi il y a des gens, là? Pourquoi il y a des gens? Cassez-vous! Bon, en vrai, elle se fait des amis, mais on s'en fout, parce qu'elle a un copain, maintenant. Qui va être l'amour de sa vie. Et bon. Et si tu veux, tu peux faire passer l'aspirateur. Ça te fera les pieds. Le bug de poussière sont de retour. Ah bon? Oh la vache! J'ai vu un machin venir comme ça, c'était son aspi. Ça faisait peur. Bon, lui, il est parti bosser, c'est ça? Il est pas encore... Ah, il voulait aller au travail sans être au travail parce qu'il est trop stressé de pas être au travail. Donc il va au travail. Quoi? C'est qui? C'est Toya. Attention, Toya. Les manières. Allez, est-ce que ça aide toujours les manières? Un lapin d'excellence. Mais c'est bien sûr. Mais c'est bien sûr. Tant que c'est pas un lapin de poussière, moi ça va. Fais la vaisselle, toi. Prends des restes.
Elle va rencontrer Lucas. On l'a déjà vu, lui. Il a une tronche chelou. C'est vrai qu'on a le méga gâteau. Regardez le beau gâteau. C'est la première fois de ma vie que je fais un gâteau en pièces montées dans les Sims. Oui. D'ailleurs, ce que je trouve ça fou, c'est que quand on commande un traiteur pour un mariage, le traiteur ne nous fait même pas ce gâteau-là. Il nous fait un vieux gâteau comme ça, quoi. Pff, rien à foutre. Quand il le fait, parce que la plupart du temps, il ne le fait pas non plus. Donc, bon. Écoute, meuf, fais ce que tu veux. Ah, bah, il est revenu. Qu'est-ce que vous faites ? Oh, Roger est reparti. Enfin, il nous a ramené encore une fois une carte postale. C'est incroyable. Mais Roger, mais... Ce hamster de l'aventure, quoi. Il est incroyable. On dirait pas une petite boule de poil comme ça. Il fait tellement de choses. Il voyage dans l'espace, il travaille pour la NASA, il fait des bouquins, il part en vacances, tout ça. J'ai décoché la poussière dans mon jeu, j'en avais marre, trop de poussière en si peu de temps. Ouais, et moi même en désactivant, ça m'est arrivé que je récupère des lapins. Coucou Alexia, comment vas-tu? Roger le best. Ah bah oui. Je vois bien. On avance tout doucement. Bah en fait, on a casé nos filles, donc maintenant... Ah bah tiens, il y en a une qui est... Salut, ça te manque de vivre à la maison? Dahlia. Les petits culs, les bavards, les silencieux et ceux qui regardent la rediffée YouTube. Agent 21, boule agent 21, prout, agent 21, ro. Comment vas-tu, Ricardo? Hop. T'as regardé les rediffs? Oh bah dis donc. Elsa! Envie de tremper le biscuit, mon petit? Oh! Une rouquine. Elsa, arc-en-ciel! La famille arc-en-ciel est là depuis le départ. Elle continue à bien grandir. Ah mais non! C'est la cousine. Donc on peut rien faire. C'est la cousine. Me tromper avec ma cousine, mais t'as pas de valeur! Eh, tu vas raconter des blagues? Puis qu'est-ce qu'on se marre dans cette vie? Vas-y, ton père il est pas vitrier, hein, c'est moi qui l'ai fait. Et il a un B, hein, maintenant. Il est trop fort. Netoya, il est trop fort. T'es à jour, Alexia, mais quel courage! J'ai ri. Je la fais à chaque fois, celle-là. Je la fais à chaque fois. Au bout d'un moment, vous serez lassé, hein. C'est comme beaucoup de mes blagues, vous en rirez plus. Qu'est-ce que t'as? Eh ben alors, Melba? Tu m'as fait quoi, là? Grosse dégueulasse? Mais quelle grosse dégueu? Ouais, fire. Elle était belle, mais bah... Enfin, elle est toujours, hein. Elle aurait fait une belle héritière, quand même. Hein. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. C'est comme ça, ma pauvre Lucette, hein. Nous, on a ça, voilà. Il fait la gueule, là. Oui, t'es beau aussi, Toya, ça va? Ça va mieux quand je te dis que c'était beau aussi? Oui, non? Allez. Même le Legacy? Ah bon, Alexia, à quelle vitesse tu regardes ça, parce que... J'aurais aimé que Henri, mon hamster, m'envoie des cartes postales. Ah oui, mais ça... Y'a que Roger. Des fois, merguez, mais Roger plus, quand même. Ah, il fait chaud. T'as vu, c'est ta cousine. Je vais essayer de pas la refaire. Comment ça, jeter? Ben non, mange. Ah salut, on est cousines. Attends. Mais non, si son père c'est Fox, c'est sa... C'est pas la cousine. Parce que Fox, c'est de la génération orange.
Ah ouais, donc la génération orange, c'est encore avant la rose, hein. Donc c'est pas du tout une cousine, c'est une... je sais pas. Bah, c'est pas une tante non plus, en fait. C'est bizarre, c'est une cousine d'autre... une grande cousine ? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Une grande tante ou une grande cousine, on sait pas trop. Mais elle fait partie de la famille, quoi. Oh la vache. D'ailleurs, attendez, juste par... est-ce qu'il pourrait... Ah, il pourrait se la taper. Il pourrait se la taper. Ah, oh, les Sims, vous avez vraiment pas de race, hein. Ah bah si, on peut la ken. Comme quoi. Comme quoi, on sent une génération, là, ça marche. C'est un peu comme dans Game of Thrones. Hein. Quoique dans Game of Thrones, même dans le même utérus, hein, ils font... Enfin bref, ouais, voilà. Ça, je valide pas. Mais... Une petite cousine, du coup. Les Sims, quoi. C'est ça, ils ont pas de valeur. Ils s'en foutent, hein. C'est pas direct, alors ça y est, tu peux ken tout, hein. C'est horrible. J'ai oublié l'anniversaire de Mella, ouais. Elle est devenue jeune adulte sans moi, ouais. C'est dommage. J'avais focus Toya, ouais. Salut Mara, et merci beaucoup Mara de Séverin pour ton follow, et bienvenue à toi. Oui, encore, bon, c'est pas grave. Bon, comme elle n'est pas héritière, on va lui mettre un trait au hasard. 1, 2, 3, solitaire. C'est validé. Va Melba. Ma cocotte, il est devenu jeune adulte, ton cum, là. Ouais. Invite-le. Il va peut-être vieillir pile au moment... Et puis après, tu feras la vaisselle. Non, table de... Alors. Tu vas jeter, et après, tu feras table de fête jaune. Ouais. Comment ça, Imhotep? Vous l'entendez bien, moi, là? Quand même, un peu. Ou je gueule trop fort, peut-être, aussi. J'ai oublié de... Ah mais il est déjà là lui. Il est encore ado. Et zut. Apprends-lui la responsabilité de la et parle-lui de la température fraîche. Hey Imhotep. Hey, en vrai la cuisine gastronomique ça avance tellement vite. Oh là 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 là. On est à combien de... On est à 1h08 de live pile. De rediff. Je vais essayer d'augmenter un peu la cadence. Et puis en plus il a faim. Il doit manger dans 3 jours. Il doit grandir dans 3 jours. Il va pas manger. Il va pisser et il va refaire à bouffer. Est-ce qu'il peut faire de la cuisine gastronomique? Tout à fait. Depuis le frigo. Une salade César. Allez. Allez vas-y. 22h30. C'est concours de celui qui cuisinera le plus, hein, j'ai l'impression. Tu sais que t'as ton mec qui est là, quoi. Tu pourrais y faire attention, en fait. Je sais pas. Mais... Pourquoi amour? Ah oui, j'ai que ça, oui, d'accord. C'est un mode, hein, vous inquiétez pas. C'est... Voilà. Ah, miam, 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 miam. Ça me donne envie, sa salade, là. Ah. Et niveau 8, compétence cuisine gastronomique. Mais c'est pas logique, elle va beaucoup trop vite, cette compétence. Bon, Orion, tu reviens quand t'es adulte, en fait. D'accord? Parce que là... Oh non, fais pas de claque. Merci Méliquette pour ton follow, bienvenue à toi. Parce que dès que tu seras adulte, on fait des gosses, hein. Ça, je suis sûre qu'ils sont adultes, enfin qu'ils font des enfants.
Ah bah écoute, mon petit, si t'as encore du temps devant toi, tu vas un petit peu gratter sur ta guitare et puis tu vas raconter 2-3 blagues. Hein. Ouais, il est 1h du matin. Je pense que je m'emballe un peu là. Salut Anne, comment vas-tu? Il habite à côté ou quoi? Mais il se téléporte dans les Sims. C'est... Il faut s'il doit attendre 3 jours pour manger. Je pense qu'il survivrait pas. J'ai tout loupé, on en est où? Eh bien, Dahlia est partie. Elle a trouvé l'amour de sa vie, elle est partie. Melba, on l'a mis en couple avec Orion, là, qui est passé. Mais il est... Oh, qu'est-ce qu'ils ont les deux, là? Niveau faible, tu vas jouer avec les deux. Juste, elle vient de devenir jeune adulte, donc on va attendre que son chéri devienne jeune adulte pour qu'elle parte. Toya va bien. Il grandit dans 3 jours. Et hop, va te coucher. Et on avance quand même vraiment bien sur ses compétences, parce que gastronomique, on est déjà niveau 8, et comédie, on est à 7 presque et demi. Et il grandit, jeune adulte, dans 2 jours maintenant. Le timing devient serré, serré, serré. Il nous fait un Come As You Are de Nirvana. À quel niveau? Alors là, tu me poses une colle que j'aurais se scotché. Là, elle était bonne aussi, celle-ci. Hein. Vous pouvez quand même noter l'effort que je fais pour vous faire des vannes. Et je pense... Ah, non, Chamallow. Oh, le vieux! Mais il se lève à 4h du matin, là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attends, est-ce que ton fils, il a fait à manger? Il a pas rangé. Tu pourrais aller manger une salade César. Ave César. Arthur Cuillère. Même vieux Cham Cham est beau. Oui, enfin, il est un petit peu flétri quand même. Hein. Les abdos ne sont plus là. Hein. Ça fait un peu triste. Hein. Mais bon. On a connu pire, hein, ça c'est sûr. Quel humour ce soir. Ah non, mais... Laisse tomber. J'arrive toujours pas à réaliser que c'est comme avec Copper. Eh oui. Oh, Biquet, t'es malade? Bah, va te coucher. Hein. Va te coucher, le vieux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ont? Mais pourquoi ils queen, alors? Focus, Toto. Totoya. Oh cool! C'est la fête des récoltes les enfants, vous savez ce que ça veut dire? C'est férié, il n'y a pas d'école, on va pouvoir faire les compétences au max. Alors, tu vas me faire une douche tonifiante, parce que bien sûr, qui dit compétences au max dit douche tonifiante et footing. Mais nous, à toi, ya. Il va faire un jogging. Il est inspiré. Tu me casses les couilles un peu quand même. Je t'ai fait un truc pour rien. Pour les abdos, tout ça. C'est pour qu'on puisse admirer les bêtes. La bête. J'ai des nains avant, mais non, les compétences avant. Ah oui! Oh non, on s'en fout des nains. Bonjour madame! Vous avez un peu fumé la moquette, non? Eva Pastéis. Elle habite à l'allée moussue. Elle a 3 enfants. Ouais, t'es déjà usagée, nous on n'en veut pas. Hein. Alors! Tu vas... Toya qui s'est mis à la guitare. Il va préparer un repas gastronomique. Un cheesecake SimCity. Go. Moi je vous dis, on va faire du niveau 10 aujourd'hui là, c'est pas possible. Hé hey. Fais-nous un bon cheesecake SimCity. Il y a trop de Sims CBT dans TPNJ. Ah non, mais c'est comme ça. Chez tout le monde, j'ai cette impression. Il y en a beaucoup qui ont ce bug-là. Ils sont tous fumés la moquette, tous. Ah, c'est la tienne, Iruline. Go, go, Tato, go. Et ben voilà, tu auras vu, du coup, ta Sims dans le... Qu'est-ce qu'elle fait? Regarde, elle discute. Tu auras vu ta Sims dans mon autre Soberry. Avec Jérôme Gray qui doit être un... Un descendant de la famille Gray.
Ah, et Thomas l'écolo, comme quoi c'est vraiment toujours les mêmes noms de famille. Hein. Ça, c'est des noms de famille que vous m'avez faites. Hein. L'écolo, c'était Marie. Et Grey, c'était pour la génération grise. Je sais plus, parce que vous étiez plusieurs. J'avais mis plusieurs familles à ce moment-là. Elle s'en est sortie comme elle a pu. Bah ouais, mais c'est, ça va. Ça va, elle a pas l'air d'être... elle est juste un peu shootée, quoi. Chez moi, c'est soit triste, soit shootée. Bah ouais, c'est ça. C'est... Ou colère aussi. Un peu plus rare, c'est la colère. Mais c'est, oui, c'est triste, colère et shootée. On va dire 80% de shootée, 15% de triste et 5% de colère. Ils sont pas chez EBT, chez vous? Mais vous leur faites quoi à vos Sims? Bah rien. Ils sont pas comme ça chez toi, Alexia. Les PNJ qui se baladent, ils sont pas... Ce mois, c'est dans toutes mes parties. Hein. Salut, Mamie Oda, comment vas-tu? De temps en temps, ils sont en jôleur. Ah ouais. Tous mal à l'aise? Bah super. Oh, oh. Non, pas du tout. Bah t'as bien de la chance, crois-moi. Bon, par contre, t'arrêtes de faire à bouffer aussi, toi. Parce que t'as... Tonya, c'est lui qui fait la cuisine. Hein. Cuisine. Ouais, ça m'énerve. Prends ta... Fous-la ailleurs, ta casserole, là. Regarde-moi, là. Avec ma casserole. Je sais pas quoi faire avec ma casserole. Ils veulent tous cuisiner en même temps que lui. Ça m'énerve. J'ai pas idée. Un petit cheese-cac. Chaise. Cheuse-cac. En français, c'est cheuse-cac. J'ai mis une solution qu'on m'a donnée pour les Sims CBT sur le Discord. Je sais pas sur quel salon. Général. Oui, voilà. Merci, Martial. Sur le général, c'est très bien. Alors, est-ce qu'on peut mettre des bougies là-dessus? Ouais. Oh, bon, on va faire vieillir... On va faire vieillir la duchesse. La baronnette. Sinon, elle va avoir trop de décalage avec son mari. Allez, viens souffler tes bougeacs, Savioc. Attention, hein. Oh, là, il t'a pris du cul, madame Mazette, elle a... Oh, elle a pris des fesses, hein. Ça, c'est largé à cet âge-là, hein. Le petit cheesecake, SimCity. Happy birthday, la baronne, la duchesse. Ouais. Ouais. Ça aussi, c'est nouveau, hein, ce bug-là, où ils vont popper ailleurs pour grandir. Ah, elle est là. Ça y est, la vieillesse a frappé la duchesse. Souvenez-vous, quand on l'a... Oh. Oh. Un petit œil qui... Un petit bout d'œil qui sort, madame. Quand on l'a vu dans ce club, on était posé dans le club normal et on levait notre verre à tous ceux qui sont là. Et on a eu un coup de cœur pour la baronne, la duchesse, pardon. Et voilà, elle est vioc. Qu'est-ce que tu fais? J'en ai marre. Non mais ils sont chiants. Un ceviche. Allez, vas-y, fais un ceviche. Non. Eh, hey, ça, j'en ai marre. Ça suffit. Purée de pommes de terre, de pois, de petites carottes. Ça suffit. Vous me saoulez avec votre cuisine. Dégage. Oh. Tu l'as fait, bah. Pas possible, ça. Dans sa robe à fourrure. Exactement. L'orgie. On peut dire que c'est l'activité familiale dans une autre vie. Il aurait fallu les laisser ouvrir un resto. Mais c'est pas celle du jardin! Oh! Ça me saoule! J'en ai marre, hein! Tu me jettes ça! Et tu me jettes ça! C'est casse-couille! On va arriver au niveau 9, mais c'est de la triche. Allez, vous aussi, maintenant, si vous devez faire des tomates
dans les jours qui viennent, je veux que vous fassiez chuter avec vos couteaux. Il faut neuf. J'ai un bug de texture. Oui, non, ça dépend. Quand j'étais loin et que d'un seul coup je reviens sur eux, ils sont tout moches, mais après ça se remet. C'est pas encore la saison. Je sais plus de quoi je parlais. Alors, fais voir, est-ce que ton mec, il est devenu... Oui, jeune adulte. Allez, tu fais venir et c'est au revoir. Roger ! Quelqu'un aurait vu un rongeur dans le coin qui répond au nom de Roger. Si vous le voyez, dites-lui qu'il devrait payer Don Plenosas rapidement s'il veut que sa protection continue. Encore Roger ? Mais dis donc. Ça avance aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on avance de ouf. Hein. J'ai mangé des tomates, mais pas comme ça. Ah, Anne, il faut que t'en recoupes. Hein. Avec deux couteaux. Hein. Et tu fais les... Non, ça marche pas. Salut ! Qu'est-ce que tu... Mais qu'est-ce qui vient... Oh. Zen, Charlie, ça sert à rien ce que tu fais de t'énerver. Cela ne sert à rien de s'énerver sur les Sims qui squattent la maisonnée. Oh, reste zen, respire. Ce ne sont que des petits Sims. Tu mets pause et puis tu vas te coucher. Et demain, tu reviendras tous les tuer. Je vais finir par écrire une chanson sur les Sims. Je sens qu'il y a de la matière, là. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est les gnomes, putain, j'ai oublié. J'ai cru qu'il y a quelqu'un qui était en train de se matérialiser par terre, là, mort. Oh là là! Oh oui, conversation profonde. Ah, la bague œil. Magnifique, la bague. Non, toi, tu... Va raconter des blagues, là. Plus vite que ça. N'en profite. Il y a moyen que je le fasse, hein. Il y a moyen que je fasse niveau... Ouais, il y a encore du taf au niveau des blagues, hein. De la comédie, il est qu'au niveau 7,5. Pendant qu'il raconte ses blagues, notre petite Melba va faire des crapulades. Des crapulades féconades. Ah oui, bah écoutez, on va tout tester. On va tout tester. On va tout tester. Pourquoi le modérateur était pas content? Il aime pas les tomates. Ah, l'automode Twitch. I don't know. Tu sais, j'essaie même plus de comprendre l'automode parce que franchement, il y a des jours, c'est tellement pas logique ce qu'ils nous demandent. Allez, un petit tour sous la douche pour sentir bon des aisselles. C'est super long la comédie, ouais, mais il est même pas jeune adulte, donc on a largement le temps d'y arriver. Oui, j'ai vu, Anne. Gnome, qu'est-ce que tu fais là? Gnome la coquine, elle est apparue dans la cuisine, tu sais. Allez, deuxième round, pour voir si il tire toujours... il vise bien la cible. Ah, deux fois? D'accord. Eh ben go, hein, vas-y, hein. Profite, hein. Petit caplic, un petit placard. Ouh. Parce que bon, pendant ce temps-là, lui raconte ses vannes, hein, c'est juste pour ça. Hein. Quoi? Ah, je suis... Je me dis, mais pourquoi il est passé où sa comédie? Mais c'est normal, j'étais avec elle. Eh, non! Cocotte! T'as le lit encore à faire, hein. Ah! Merguez. Oh, Merguez et Roger. Merguez et Roger se marièrent. Ils eurent des quadruplés qu'ils se nommèrent. Saucisse fumée et salami vénère. Je rigole de mes propres conneries. Je me fatigue. Salut Maïline, comment vas-tu?
Pas de soucis, la drôlesse, ça fait plaisir de te voir quand même. Je vais me poser avec un rocher suchard, dont on entend des gros bisous à toi. Bonne soirée. N'hésite pas hein, à laisser un commentaire et un like, attention. Et le partage, évidemment. Ça va bien, Maëline, merci. Bon, ils ont baisé ou pas, là? Oh, les gnomes, et les gnomes, là, les coquins, là. Casse-toi, toi. Laisse la place dans le lit, là. Hein, il y en a un qui est déjà prêt à venir les rejoindre, là. Les petits coups à trois, ça marche pas. Hein. Je pense pas. Hein, Jacqueline! Mais reste là! Vas-y! Le mec, on lui propose de faire crac-crac, il dit non. Hein? C'est possible, ça? Un mâle qui dit non à un crac-crac? Je n'y crois pas. Dommage qu'on puisse pas mettre deux hamsters ensemble, c'est vrai. Merci, la droite. C'est gentil. C'est gentil! Jamais vu ça, moi. Voilà. Bon, il revient, finalement. Ouais, c'est que la troisième fois hein, qu'on fait crac-crac. Hein. Je pense que là, si elle est pas imprégnée... hein, j'ai pas envie de dire des mots, j'ai peur. Elle est enceinte, c'est bon. Elle est enceinte. C'est fait. Et merci, Maëline, pour ton follow. Bienvenue à toi. Il aime pas le sesque. Oh, bah, écoute. En même temps, il est asiatique. Hein. Je ne dirai rien d'autre. Qu'est-ce qu'il a? Eh, hey, qu'est-ce que t'as, mec? Attends. Elle va te demander en mariage. Elle s'est dit... Bon, il est plutôt pas mal. Je suis imprégnée. Est-ce que c'est un oui? C'est un oui! Melba est fiancée. Je viens enregistrer. Enregistrer. Elle va partir. Je vous ai dit, on va y aller aujourd'hui. Ça, on est à fond. Ce qui m'énerve, c'est que... Voilà, je vais pas perdre sa progression. Qui c'est qui? Oh non, papy. Chamallow s'est pissé dessus. Pirouette, cacahuète, le petit vieux n'a pas réussi à se retenir. Oh non, des bisous ma mignotte. Oh, prends soin de toi. Prends beaucoup soin de toi, repose-toi et passe une bonne soirée également. Des bisous à toi. Je pars sur une belle note et cette fois, pas de soucis. La continence. Je sais pas si c'était votre belle note, c'était quoi, mais... Allez, hop! Oh, ils nous ont fait encore bouger. Ça me casse les noix. Je déteste. Je déteste ça. À une époque, ça marchait bien. Enfin, ça marche une fois sur les... Je sais pas combien, en fait. Que on ne déménage pas avec la personne qui s'en va. Ah, la demande en mariage pour la continence, ouais, il vaut mieux. Du coup, ça, c'est le frère. Ouais, bah, je préfère Orion, hein. Il s'appelait comment, lui? Sean. Ah, c'est pas comme Sean 18 qui vient chez nous de temps en temps. Gérer les mondes. Chachan, tu veux pas une protection? Faut appeler Marie. C'est Marie qui a des couches à son travail. Un mari. Vous dites rien. Oui, voilà. T'es encore là, Marie. Ça fait plaisir. Voyez, en une demi-seconde, le mec, il a arrêté de faire des blagues. Il est... Et, mec, il a à peine 18h. T'as encore du taf. Cham cham. Bah oui, mais... Oh. Là, si tu te rends compte que ton Sims, il est vieux et qu'il en a plus pour longtemps, hein.
quand il se fait dessus comme ça sans aucune raison, c'est qu'il n'y a plus rien qui va, quoi. Les tuyaux et tout, c'est foutu. Hein. C'est foutu. Et voilà. Notre petit Toya est dispo. Je rattrape ma partie Pokémon que j'ai perdue l'autre jour. Oh là là. Des Pokémon! Attrapez-les tous, c'est votre histoire. La plomberie de l'homme est morte, c'est ça. Je pense que les joints, ils ont sauté, donc... Il y a des fuites. Les joints, ils étaient vieux, aussi vieux que lui, alors ça saute, hein, c'est normal. Ouais, on va arriver au niveau 8. On n'a pas le temps, Dahlia. Oh, ça fait bizarre! Deux vieux et Toya, quoi. Alors, la semaine dernière, non, mais il y a à peine deux semaines, il devenait à peine ado et on l'a élu en tant qu'héritier, quoi. C'est fou, hein. Eh oui, Nani. On déménagera et... Il faudra lui faire sa maison entre... est-ce qu'on l'a fait d'ici entre aujourd'hui et la semaine prochaine? Je ne sais pas. Titi Chris, pas forcément, c'est pas inclus à chaque fois. J'ai fait partir Lila de chez elle parce que je crois que c'était demandé Lila et qui? J'ai l'impression qu'il y a un... Et Copper. Lila et Copper ont déménagé sans leurs parents. Mais les autres sont restés avec leurs parents pour que je récupère les tombes, en fait, pour avoir l'arbre généalogique. Comme ça, on a... Il n'y a que deux tombes que j'ai pas pu récupérer. Ah, purée. Ah, ils sont encore là. J'ai eu peur. C'est Pulco et Nathalie hein, que j'ai pas. Hein. C'est ces deux tombes ici que je n'ai pas. Alors, Pepper, Bordeaux, Pulco, Nuage, Lila... Copper et Fox. Ah d'accord, bah les Autumn et Sunset, elles ont disparu, hein, ça y est. Donc il en reste pas beaucoup. C'est quoi ce look, Sakura? Il reste plus beaucoup de monde dans l'arbre généalogique. Hein. Là, c'est un petit peu épuré. Hein. Non, les maisons... Bah non, parce qu'en fait, on nous demande de déménager en général. Il y a certaines générations où on te demande de déménager... Même voir plusieurs fois même. Donc en fait, t'es obligé de bouger. Voilà, tu bouges. Donc là, notre Sobéry, il est très épuré. Hein. Un peu dommage. Petit bichon. Il est tristoun. Pas les raffinés. Bah super, c'est celui que je préfère, dit. Oh là là là. T'es au niveau quoi, mon biquet? Oh, bientôt le niveau d'au-dessus. Niveau 8. On n'arrivera peut-être pas à faire le niveau 10. Eh, mais il va prendre sa retraite. Parce que là, s'il se pisse dessus, c'est le signe que... Que c'est plus possible, en fait, hein. Après, il gagne bien sa vie, quand même. Prendre sa retraite. Tu me diras, elle aussi, elle peut prendre sa retraite, mais vu qu'elle a jamais vraiment bossé... Elle peut pas prendre sa retraite! Oh. Eh oui! Oh, mon bibi! Mon biquet! Voilà, tu es vieux. Je suis vieux. Tu peux jouer avec tes hamsters maintenant. Ah, merguez à faim. Donc ce sera pas plus mal. Eh, pom. Rip la généalogie, bah ouais, tu m'étonnes. Aujourd'hui, je pense pas. Je suis pas très chaude. La prune que j'ai fait, c'est déménager trois fois. Oui, c'est ça.
Oui, la prune, on doit déménager trois fois. Du coup, comme c'était trois fois, elle a vécu seule dans un studio à San Michuno, puis elle a vécu avec son mari, très peu de temps, mais à Evergreen Harbor, dans un appartement, où ils ont divorcé, puis ils se sont remis ensemble, se sont remariés et ont fait un enfant. Quand l'enfant est né, on a redéménagé. Ah oui, le cric. La prune, oui, t'es obligée de déménager trois fois, donc en fait, on a dû bouger. Coucou Justine, comment vas-tu? Ah, tu pues mon biquet. Ah oui, j'avais pas fait attention. Wow, t'as vu, ta mère, elle est contente parce que tu pues. Va faire une petite douche, là, tonifiante, tu vas me faire un petit footing après. Allez, un petit footing. Il peut pas faire parce que... parce qu'il est inspiré à cause du parquet. Salut Maïli, comment vas-tu? Putain, on aura avancé quand même aujourd'hui. Hein. Alors? Ah mince, il a disparu! J'étais trop près de lui, il a disparu dans les confins du néant. Bon Dieu! Oh, je pue, hein! Oh, tabarnak! Tabarnak, oh, je pue, moi! Regarde, je vais me faire vomir, dis! Je vais m'auto-faire vomir! Allez, va refaire une petite douche méditative, tiens, et puis tu vas me refaire à manger. Non, t'as faim. T'as faim, mec, tu vas aller faire à manger. Un petit repas gastronomique sans papier hygiénique. Des côtelettes d'agneau. J'ai même pas pu choisir combien. Il m'a pas laissé le choix, le jeu. Minou, à toi, Aya. Ça va bien, Maïli? La tête, j'en peux plus. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les gnomes, là? Alors, si c'était ma copine, ça me dérange pas, mais là, ils sont chiants. Alors, savoir que les fêtes des récoltes, moi, j'ignore les gnomes, parce que c'est... Comme ça, ils me font pas chier. Mais tu m'étonnes qu'après, ils se lèvent à 4h du matin, là. Oh là là. Tu me dirais, il est 1h15 et il fait à bouffer, lui. Bon, ils auront pas une fête des récoltes très réussie, hein. Ah, c'est dégueulasse ce qu'il est en train de faire. Ça me donne pas envie, moi, perso. Allez, prends une portion, mon biquet. Un bon miam miam. On va peut-être mettre le cheesecake au frais. C'est beau? Bah, sinon, tu peux discuter, hein. Voilà, des relaxations mentales, éliminer la journée, des secrets détox, conversation profonde. Tu peux lui faire des vannes, du coup. Une blague sur la mode. Comme ça, il apprend encore à... C'était horrible. Tout simplement horrible, cette fête. Ils font des têtes chez toi et Sims que je vois pas chez moi, dommage. C'est vrai? Oh, ils ont un peu tous la même tête. Ah ah ah! Le canard? Non, il est pas là, le canard. Il doit être devant le chauffage. Oh là là, est-ce que vous pensez qu'on va atteindre le niveau 10 aujourd'hui? Ah, cuisine, oui. Je pense que oui. On est à 9,50. Cuisine gastronomique, il fait un repas et il est bien. Donc, et il est dedans. Mais les blagues, en vrai, ça va être un peu plus compliqué. Écoute, il va pas aller à l'école. On va profiter pour travailler comme ça. Va prendre un jour de congé avant de dormir. On s'en fout, hein. De toute façon, il va... Après, c'est le week-end et il va grandir, donc nickel. Voilà, comme ça, on est tranquille.
Les grimaces, en fait, alors je regarde pas d'assez près. Je pense que tu regardes pas d'assez près, mais quand ils puent, en général, ils vont toujours se sentir le dessous du bras et faire... De la cuisine, oui, mais on va essayer, là, s'il va pas à l'école. On est au niveau 8, on a encore 2 niveaux à faire. Faut toujours tenter. C'est surtout, est-ce qu'on va y arriver aujourd'hui, dans les 20 minutes qui restent? Mais dors, Jacqueline! D'accord, j'ai compris pourquoi il veut pas dormir. Chamallow! Mais chamallow, hein, la vieillesse, ça te réussit pas. Hein. La retraite, tout ça, c'est pas pour toi, c'est... Non. D'ailleurs, pendant que j'y suis, je sauvegarde. Parce que là, laisse tomber. Soirée en ville! Ah! Un petit sondage a été lancé par Martial. Merci Ryan Cyril pour ton host! Merci beaucoup! 357! Il gagnait plus de 1000 simflouz, il en gagne que 357 là. Eh, ils sont radins! Je sais pas qui s'occupe de faire les rentes des retraités, mais alors c'est franchement des radins. Voilà, regardez, comme ça, il se lève de bonne heure, de bonne humeur. Allez, 9h, tu te lèves, hein, merde. Hein. Suffit. Fais voir un peu. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Il va aller dehors, là. Bravo. Pourquoi t'es triste? Oh, j'ai raté mon jour férié. Oh, je suis vraiment très triste. Et va courir. Oh, il est content. Il pleut. Trop bien. Moi, j'aime les gouttes qui me tombent sur la peau, qui coulent, qui tombent jusque dans mon dos. 2900 simflouz. Il y a de moins en moins de livres qui lui rapportent. Hein. Il est vieux, hein, Chamcham. C'est dommage, mais c'est comme ça. On visite un peu le coin comme ça. Voilà! Et on va travailler des blagues! Ouais, ouais! On va écrire des blagues! Ouais, ouais! Non. C'était quoi déjà? C'était. Ah, c'était dans comédie. Attendez. Comédie. Écrire un long sketch. Vas-y, écris un long sketch. Arrête! Oui, maman, elle passe bien l'aspirateur, ça, on le savait. Comment ça, YouTube voit la nouveauté? Ah oui, ben oui, avec le sondage. Tout à fait, j'avais oublié. Comme ça, YouTube, vous pouvez voir carrément qui a le nombre de votants et qui a voté quoi. Oui, la cuisine, oui, les deux n'ont aucune. Oui, la comédie. Bon, ça va, vous êtes gentils. Y a personne qui a dit non aucune, donc vous êtes gentil. J'ai combien de personnages, c'est-à-dire, Mayline, sur quoi, sur ce challenge-là, ou en tout sur les Sims? Est-ce que tu comptes ceux qui sont morts, ceux qui sont en vie, ceux qui vont naître? J'ai quand même pas mal de parties, hein, plus ou moins en cours. Je sais pas si ça va vraiment augmenter. Je suis pas sûre que ça augmente bien de faire dégrader un sketch. On verra. Ceux qui sont en vie. Oui. Ça dépend où. Dans quelle partie. Dans quel challenge.
Comme tu vois, là, j'en ai trois. Il y a deux vieux et un jeune. Il y a ses deux sœurs qui sont parties. Donc, elles sont toujours en vie. Mais Melba et Dahlia, ici, c'est ses sœurs. Et voilà. Et les futurs enfants de Melba, parce qu'elle était enceinte en repartant. Ah oui, beaucoup. Oui, j'en ai beaucoup. Après, j'ai le Legacy aussi, qu'on fait... on a fait hier, le Legacy. Alors, Toya vient de terminer l'écriture du sketch Damoiselle et Cranaille. Ouais, chatin, t'as un toc, toi. Tu vas nous faire à manger. Des tempouras de légumes, allez. Soyons fous. Est-ce que le niveau 10 va être atteint? Poil au sein. Non, qu'on a de la thune. Oui, il y a Sakura aussi, la sœur de Chamallow. Qui est elle, également en vie et toujours avec les cheveux roses. Elle n'est pas encore vieille. Elle a encore quelques jours devant elle. Avant de vieillir. Niveau 10 ou pas niveau 10? La tempura de légumes. C'est cheaté, hein, cette compétence, en vrai. T'as pas posé un jour pour être malade, hein, je te le dis, moi. Bravo! Il met pas le feu à la cuisine. Oh! Comment ça a monté? Chamallow? Tu peux t'occuper de tes plantes? Chamallow avec son... Alors quand il était jeune, c'était adorable le petit bonnet de Père Noël. En plus, en fait, ça veut dire qu'on y était à Noël hein, quand on les a relookés. Hein. Pour vous donner un repère de temps, tout ça. On était à Noël, la semaine de Noël, je crois, quand on les a relookés. C'est quoi cette question, Riff? Moi, je dirais moi. Voilà. Non, on n'y est pas encore au niveau 10. On est à un poil de chelu. On est à 9% du niveau 10. Donc, on va le faire. Hein. Ah, arrête. Hein. Je déteste quand ils sont malades. Je déteste ça. C'est gastronomique, ça. J'ai pas fait attention. Si, c'est bon. Casse-toi! Occupe-toi de ton fion, toi! Tu vois pas que je suis en train de travailler? Tu saoules. Vas-y, range ça. Et c'est un niveau 10. Connaisseurus Rex. Faire atteindre le plus haut niveau de la compétence cuisine gastronomique à un sim. Ta 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 ta. Très bien. Il va faire pipi. Ensuite, il va gratter un petit peu. Pour se remonter le divertissement. Et après, il fait des blagues. Qu'est-ce qu'on rigole. Allez, c'est bon, t'as fait assez de guitare pour aujourd'hui. Non, pas à chanter. T'entraîner à faire un sketch, c'est ça. Faire un sketch. Demoiselle et canaille, faire un sketch. Faire de la rando à Alcimara. Ah, j'avais oublié ça. Il est médiocre, c'est pas grave, on s'en fout. On va le raconter quand même. Parce que nous, on est des oufs, on aime trop rigoler. Ah ben, on est mal barré, dis donc. D'ailleurs, je vais enregistrer puisque nous avons atteint un des objectifs du jour. Allez, Toya! Fanship Gefai. Travaille un peu, pourtant. On a encore du boulot. Hein. Vous me dites hein, si vous trouvez que ça, c'est drôle ce qu'il raconte. Hein, parce que... Me dites pas que vous comprenez pas. Hein. Ça suffit. Hein.
Vous devez avoir étudié le Simlish à l'école quand même. Regardez comme il est content. Bravo! Quelle bonne blague! Ah, t'es plié. Ah ouais, t'es comme une chaise. Ah, et puis là, il va nous vomir dessus parce qu'il est malade. Boum! Tu te fends la poire marine? Incroyable. C'est qui les doués pour son âge? Wouhou! Toya! 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 À te piser dessus? Ouais. Maman, elle aime bien. Maman est la première fan. Allez, accélère un peu, Jean-Claude, là. J'ai l'impression que plus il vieillit, plus il est beau gosse. Il a commencé à avoir de la belle mâchoire et tout, vous trouvez pas? Ah, il manque la... Elle va arriver la barbe, t'inquiète. Peut-être la semaine pro. Il a gagné des sous? Ou j'ai pris des photos? Pourquoi t'as gagné des sous? Ta mère, elle t'a donné de l'argent? Nah, on n'a pas le temps. Oh, ça avance pas du tout! Mais quel enfer! Il a passé sa journée là, on n'a rien fait! Oh là là! Casse-toi, toi! Bravo! 125 simflouz! Incroyable. Bah écoutez, hein. Il nous reste presque 9 minutes de live, donc bah, il va faire que ça. Je vous le dis. Il va dormir, manger et faire des blagues. Une petite barbe naissante, tout à fait. Avec les cheveux peut-être un peu plus longs, on verra. Il pourra plus, il aura plus le temps de s'entretenir sa coupe de cheveux et de se raser, il va devenir flic. La semaine prochaine, déjà. Oh là là. Bon bah, on fera pas le niveau 10 de comédie, hein, mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. On aura bien avancé. Les flics ont les cheveux courts pour le képi? Bah c'est pas ce qu'ils nous mettent à la télé hein. À la télé ils sont toujours des cheveux, enfin ça dépend. Après j'en sais rien parce que je regarde pas la télé. Et ben moi il aura les cheveux un peu plus longs. C'est là, c'est un look d'ado encore. Alors peut-être que les fringues je vais pas tout changer parce qu'il faut pas déconner. Mais au niveau de la coupe de cheveux, oui. Je live quand? Je live le mardi, le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Nous on s'en fout, tout à fait on s'en fout. Bah alors, il m'énerve. Pourquoi tu es malade? Tu vas pas chanter, tu vas raconter des blagues. Allez vas-y. Je suis désolée mon piquet. Il est que 23h20, ça va. Dans les Sims, hein, pas dans la vraie vie. Et le prochain live, c'est vendredi. Et je sais pas encore si on fait du Legacy Sims 4. Je pense qu'on va faire du Legacy Sims 4, peut-être Phasmo après. Et samedi, on va faire du Jacqueline en Chine. Sims 3, évidemment. T'as répondu à ma question? Quelle question? Ah, c'est quelle compétence pour la carrière niveau 10 aussi pour la carrière? Oui, bien sûr. Oui, niveau 10 de la carrière. Tout à fait. Tout à fait. Ouh, pardon.
Il faut être au niveau 10 de la carrière détective. Cette fois-ci, il faudra torcher les enfants. C'est pour ça que j'aimerais ne plus avoir ça à faire quand il est flic. Quand il commence sa compétence, sa carrière. Parce qu'en plus, il faudra qu'on drague une collègue. Donc bon, voilà. Tu me déçois, hein, j'allais dire Cham. Il grandit quand, là? Oh putain. Oh putain, con. Il va bientôt avoir son anniversaire. Jacqueline et son scooter. Tout à fait, Quentin. Tout à fait. Puisque je me suis remise également au Sims 3. Alors, pas un bain, je voulais une douche, c'est plus rapide. Et en ce moment, on découvre Destination Aventure. Donc, on était en Égypte, on a été en France. Prochaine étape, c'est la Chine. Sachant que c'est une découverte puisque je n'avais jamais fait la Destination Aventure de Sims 3. Alors, je me suis absolument pas occupée des parents ni des rongeurs. J'ai très peur. Hein. Est-ce que Roger va bien? Oh, il va pas des masses. Hein. Ah, il va pas des masses. Hein. Il va pas des masses. Ah oui, non, non. Oh, je savais bien. Hein. Allez, active-toi avant que Roger meure. Explosion. Oh, merguez, il s'éclate. Merguez? Ça suffit maintenant, tu vas te calmer. Hein, on se demande pas d'où vient le Covid avec tes conneries, toi. C'est bon. Activité, faible activité. Pourquoi? Va lui parler à Roger. Roger, il est intelligent, il a besoin de qu'on lui parle. Bah non, toujours faible activité. Papy. Non, papy. Papy, tu vas te doucher. J'en ai marre, là, des Sims, là. Oh, vous me cassez les noix, un peu. Oh là 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 là, les vieux. En fait, mes Sims, je les aime jusqu'à temps qu'ils deviennent vieux. Et en fait, ils sont là et ils font rien. Et ça me saoule. Du coup, ça me saoule, quoi. Rêve pas revenu. Ah, j'en ai rêvé de Jacqueline et son scooter. Ah oui, carrément. Ah oui, carrément, ça t'a atteint jusque là, quoi. Ah oui. Le truc, c'est que dès qu'on me dit Jacqueline et son scooter, eh ben j'ai la chanson dans la tête. Alors pour ceux qui ne sauront pas, vous découvrirez ça dans la vidéo de dimanche. Puisque la vidéo de dimanche est le premier best-of de l'année, du premier trimestre 2021. Voilà, vous l'aurez. Salut 6 CIC, ou 6, je ne sais pas comment dire ton pseudo. Merci Martiane. Alors, toi, t'as pas faim, tu racontes des blagues. Allez hop, Toya. Horrible, oui, bah, moi aussi je suis horrible, c'est pas grave, tu sais, on survit. Il va être malade, il me saoule. Oh là là, il nous reste 2 minutes de live, les enfants. 1 minute 50. Faut pas dépasser les 2 heures. Sur la rediff. On fera pas les niveaux 10, hein. On fera peut-être le niveau 9. On fera peut-être au niveau 9, c'est déjà bien. Je ne sais pas pourquoi, mais oui, sacré Jacqueline. Tout à fait. Shirley aime les Sims après le stade d'enfant et avant qu'ils deviennent vieux. Tout à fait. De ado jusqu'à adulte. Après, ça, après il me saoule. Pas pour les mêmes raisons. En fait, adulte, ils restent là et ils font... Oh punaise. Il est tout sclérosant plaqué, là. Ouais, moi je m'appelle Toya. Quand je suis en pyjama, je raconte des blagues. Et j'ai envie de gerber sur tout ce qui bouge. Allez, niveau 9. Mouska, mouska. Bon, on va dépasser. Il clignote. On va dépasser les enfants, les 2 heures. On va les dépasser.
Alors la rediff, je suis tellement navrée pour ces 2 heures. Mais vous comprendrez que j'ai envie d'avancer. Un minimum. Droit d'auteur du livre, 500 simflouz. Roger, évidemment, hein, réalité redondante de Rongeur, la vie selon Roger. Mais Roger est un écrivain, un spationaute, il fait tout. Sinon, tu coupes à partir de la place. Une partie à la place. Non, non, t'inquiète. Enfin, je l'ai déjà fait, mais quand je vois que ça. J'ai déjà fait de couper les lives en deux, mais en vrai, ça dépend. Et lui, il est stressé parce qu'il a besoin de travailler, il me saoule. Allez, niveau 9, Toya. Tu peux y arriver. De toute façon, j'ai encore tout le dimanche. Hein. Sachez-le. Hein. Non. Tu m'énerves, t'as dormi déjà. Tu joues, tu fais tes sketchs, là, tu fais tes blagues. Ah, je vais être malade tout le temps. Zen sur les zen. Parce que moi je suis armé hein. Fais gaffe hein Toya. Je suis armé hein. Tu me provoques, je te. Hein. Je te tranche un petit morceau. Salut Paulinette, comment vas-tu? Ça va, parce que je regarde la rediff en plusieurs fois, on fait comme on veut. Oui, c'est ça, après une fois que c'est dispo quoi, mais ça rebute. Des vidéos longues comme ça, je sais que ça rebute ça, en fait, c'est ça. Arrête, il m'énerve avec de vouloir être malade là. Ouh. Il me fait quoi là? Allez, niveau 9, Jean-Claude. Oui, oh, je suis fatiguée, j'ai mal, je suis... Et j'ai faim, et je suis malade, je m'en fous. Oh, purée. Zen Shirley, Zen, tu vas y arriver. Je ne terminerai pas ce live avant qu'il soit niveau 9. C'est comme ça. Bah oui, ça va bien, Paulinette. Tu survis? Mais bon, j'adore regarder. C'est bon? T'es requinqué? C'est reparti. À raconter des blagues. Oui, je suis une bourreau pour... Oh! Il me saoule! Oh, moi aussi, j'ai mes chaleurs. J'en fais pas tout un plat, putain! Pas possible! Tu le pousses à bout, tu t'étonnes qu'il casse ses pieds, t'es mal à l'aise? Non, il est pas mal à l'aise, il est comme par hasard malade depuis 3 jours. C'est bon, tu vas survivre, hein? C'est bien les mecs, ça. À se plaindre pour pas grand chose. Je tape pas, je tape mon bureau. J'y peux rien si ça se transmet dans le bras du micro. Juste pour de l'ASMR. Bah j'espère que ça va bien se passer, Paulinette. Allez! Allez! Je sais que c'est désagréable. Lequel? Le quand je tape sur mon bureau ou quand je fais ça? C'est les vibrations que vous aimez pas ou pas? Ça va bien, Maïline, hein, ça va bien. Le deuxième? D'accord. Les deux quand tu tapes, donc en fait vous aimez pas les deux. Je sais comment vous torturer. Niveau 9! 2h04 de live. Niveau 9. Ah. Mais écoute, tu vas continuer? Oui, je suis horrible avec vous. Je suis horrible tout court. Je suis malveillante, Alexia. Je n'aime pas les champis.
Je suis malveillante, sache-le. Oh punaise, Roger, il a encore voyagé. Incroyable. Vas-y, je me désabonne. Ah oui. Vas-y, vas-y. Tu fais bien, Marie, tu fais bien. Toi, tu es une bonne fille bienveillante. Et moi, je gna 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 gna. Les deux, le dernier, on dirait une cyclone. J'ai rien compris, Quentin. J'ai rien compris. Ah, les deux bruits. Attends. Mais j'aime bien venir quand même. Ça fait plaisir, Alexia. Elle est pas si bien vieillante, la Marie. Gna 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 gna. Et gna 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 gna. C'est exactement ça. La malveillance de toute sa splendeur. Ah, ne pas aimer les champignons, ça reste un drame quand même. Hein. Boum. Qui pour m'acheter un micro? Non, personne, j'ai rien dit. Je vais m'acheter un micro comme ça à Action quand ça rouvrira. Si on a, j'en sais rien. Même un cadeau, un jouet pour enfant. Et je me taperai la tête comme ça pour vous faire rire. À chaque fois que je sortirai une blague de merde, je me taperai la tête avec le micro. Ça peut devenir un running gag. Hein. Nya 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 lapin. C'est ça. Comment elle le dit trop bien, t'as vu hein. Elle le dit mieux que moi. C'est elle qui dit nya nya nya. La duchesse, elle est malade aussi. Elle est covidée, ça y est. Hein? T'es covidée, hein? Saleté, là. C'est ta faute. Ta faute, la merde qu'on se paye, là. Hein? À cause de toi, les ministres, ils sont obligés d'aller dans les restos clandestins. Hein? T'as pas honte? Bon, après, ça va être... Il est 22h, on va faire l'anniversaire de Toto. De Yaya, Toto, Toya. On va sortir le gâteau. Toi, tu vas venir. Appelle quand même. On va appeler les gens. C'est l'anniversaire de notre héritier. Alors, on va chercher le gâteau. La pièce montée. Puis on va fêter l'anniversaire de Toya. Non, tu viens te la duchesse, tu viens. Va grandir sans toi. Non, c'est bon. Ça devrait aller. Juste le temps de prendre une douche et de se vider la panse et c'est parti, quoi. C'est mieux qu'un micro en mousse. Bah écoute, je prendrai ce que je trouve. Hein. Fête d'anniversaire. Allez, c'est parti. Oui, Toya. En même temps, on peut pas faire vraiment les... Ouf. Oh, même Jean-Eudes, il a vieilli. Mince. J'ai cru que... J'avais tapé. Alors, Véronique, la copine de Dahlia Sakura, Orion. Bah, c'est parfait, on n'a pas besoin de plus. De toute façon, les autres, ils sont morts. Donc, on n'a pas besoin. Bon, le live va dépasser un petit peu, les enfants. La semaine prochaine, on sera bien. Tout. À 22h, la fête d'anniversaire. C'est la logique. Madame la Duchesse a revêtu sa belle robe. Dingue. Oh là là, Melbourne. Ah oh bah oui. Ah bah tu m'étonnes. Elle a vu le gros bide de sa fille. Elle sait qu'est-ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que c'est? Comment ça je vais être grand-mère? Ouais, j'imite bien la personne qui a la tête qui tourne. Mais c'est incroyable ça. T'es très ballonnée ma cocotte. Ma fille. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh le... Eh, elle a un putain de bide quand même. Hein. Je veux pas être méchante, mais... Elle a un mini-short, laisse tomber, elle. Oh là 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 là. Comment ça se passe? Bah alors Melba, coquine, va. Incroyable. Hein. Elle pond à une vitesse, celle-ci. Plaignons nos pauvres ministres. Ben bien sûr, attends, les pauvres biquets.
À défaut d'aller voir des spectacles, on a Toya en direct sur le live. Mais oui, ça reste un humoriste. On comprend pas sa langue. C'est quelque chose que je conçois, hein. Mais il est là. Passer l'aspirateur. Ah non, mais... En cliquant sur Sakura, j'avais passé l'aspirateur, j'ai pas compris. Oh, sont mignons tous. Remercier d'être là. Tu peux discuter rapidement. Partager des photos. Et ensuite, tu vas souffler tes boujax. Déjà le bide. Ah bah, il s'est passé 2 jours, bien facile. Hein. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle a? Vous allez me dire oui. Est-ce qu'on regarde ce qu'elle a à l'intérieur? Est-ce que elle, c'est un Kinder Surprise? Est-ce qu'on regarde sa surprise? Oui, je vous connais. Pas suivi Toya à trouver sa future ou son futur. Ben non, Paulinette. C'est ça, il doit aller travailler, il doit rencontrer ses collègues avant. Donc, pour l'instant, non. Donc, notre petite Melba. Elle est seulement au premier jour de jeune adulte. Bah oui, c'est vrai, je suis bête, elle est enceinte. Oh, des jumeaux! Un garçon et une fille! C'est beau. C'est beau. C'est bien! C'est même pas cheaté en plus. Comme son père. Son père qui est issu d'une grossesse double, même si à la base ça n'était pas le cas. Mochi Pichi, vas-y, va discuter un peu à tout le monde. Hein. Celui-là, tu le connais pas trop, elle non plus. Hein. C'est pas. Discuter quand même un petit peu. Sentiment obtenu, c'est super. Et puis après, on va faire. Souffle tes boujax. Hein. Ah, je l'ai déjà mis. Elle arrive. Oh putain, il va grand. Non! Non! Je t'ai demandé de souffler tes bougies! Non! T'as pas le droit de me faire ça! Enfoiré! Je lui ai demandé de souffler les bougies, il va pas les bouger. Oh putain! Che, je l'avais dit, Capaloul. Mais j'ai voulu faire la sociable, moi! Bon sang! Chier, c'est quoi son dernier trait? Gourmand, paresseux, pitre. Eh ben, ce sera donc paresseux! Super! Bah, dis donc. J'espère que tu vas trouver une meuf à ce rythme-là. Paresseux. Un mode que j'utilise... Oui, tout à fait! C'est le MCC. Sinon, t'as la commande MCC direct à Martial, si tu veux. Pour avoir la vidéo sur le MCC. Tu vas en baver. Bah. On verra. Bon, bah, souffle pas les bougies, hein. Une deuxième fois, en tout cas. Nanar. Oh, j'en ai marre. Va enlever les bougies, va. Ah, ça me saoule! Nanar de Sims, là. Bonne nuit à toi, Lydie! Des bisous! À bientôt! Et donc, appelez à table. Vous pouvez bouffer le gâtal maintenant, c'est bon. Et c'est que flouze. Et après, il ira faire des blagues. Bon, il est 1h du matin, on s'en fout. C'est dimanche, il fera la grasse mat. Oh! Oh bah dis donc, Sakura! Sakura, elle est enceinte aussi? Eh ben... Ma coquine! Elle arrivait à la maison, elle avait rien dans le bidou, et là ça a poussé. Sakura, elle a pas envie de vieillir. Hein. Ça... avec qui?
On sait pas. Et elle, elle attend une fille. Une petite fille. Avec Mathieu Cheverny. Ah, c'est même pas Jean-Eudes. Ça a pas duré avec Jean-Eudes. Voilà, voilà. Jean-Eudes ne sera pas le père de ce nouvel enfant. Non mais, et les invités sont sans gêne quoi. Les mecs, ils vont dans le frigo. Franchement, j'ai jamais vu ça. Vous allez chez les gens, vous, et vous allez vous servir directement dans le frigo, quoi. On va attendre de déménager. Ou alors, je ferai la maison. Je sais pas. Elle est pas encore vieille. Elle est pleine, Sakura. Putain, il est parti dormir là! Oh non! Il va s'endormir partout, cet idiot. Je le sens. Ça va être n'importe quoi, ça aussi. On en est où, du coup, de la comédie? 19%? Oh, la vache. Ah oui, le bot, il peut pas enchaîner, là, ces deux commandes distinctes? Plus du cul. Oh là 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 là. Tu sais quoi? En attendant que l'anniversaire se... Ah oui, bah oui, il a pas soufflé les bougies, bah bien sûr. Bah tant pis, ce sera un anniversaire de merde, écoute, tu vas raconter des blagues et ce sera tout aussi bien. T'as vu, tu vas être papy, Chamallow. Papy et tonton, hein. Ta sœur, elle se reproduit comme des comme une lapine. Merci. Ah, j'ai laissé le truc de la playlist, faudrait que je l'enlève. Oh, il a pas l'air content, Chamallow. Comment ça, je vais être papy? Et la duchesse, elle vient faire la vaisselle. Et c'est l'heure de la pub de 60 secondes. Bien sûr, je rappelle que vous contribuez à ma très très grosse richesse. Évidemment, richesse qui... les petits centimes qui me permettront d'acheter mon manoir château avec vue sur la mer pour pouvoir vivre avec Martial. Je vous remercie, je vous dis à tout de suite. Voilà. On va arrêter à 25%. Comme ça, on commencera le dimanche avec directement des blagues. On va faire des blagues. Hey, dip. On est à 2h17 de rediff, hein. Rip. Elle a combien de mioches, Sakura? Oh, elle en a quelques-uns. Elle nous en a pondu quelques-uns. Ah bah, pff, ils sont tous dans sa chambre. Toi. Sakura, où es-tu? On a besoin de renseignements. Tu en as combien? Elle en a deux. Donc ce sera son troisième enfant. Normalement, on peut voir grossesse, enfant. Ah non. Pardon. Que je modifie pas ça. Liste des enfants. Nous avons Elodie et Manon. Mais on sait pas avec qui elle les a eues, en fait. Je suis pas sûre qu'elle les a eues avec Jean-Eudes, en vrai. Jean-Eudes, c'est le mec avec qui on l'avait casé. Mais si tu peux dormir, ça va. C'est pas la mort. Change de côté. Oh là là! Mais c'est pas possible. Fais sa sieste. Va faire ta sieste. Elle est pas de ce côté-là. Tu peux aller là, non? C'est pas la mort. Oh mon dieu, on dirait Dex. Dex, il fallait absolument qu'il aille sur ce coussin-là, et pas un autre. Tu crois qu'il y avait quelqu'un qui était dessus? Non, bah, il allait par-dessus, d'ailleurs. Comme ça, c'était fait. Allez, dégagez, là, c'est là. Allez. Il peut aller enfin dormir. Tout ça pour dormir là. Et je vais les flinguer, moi. Je vais les flinguer, ces Sims.
Va bouffer, va dormir. Et toi, va dormir. Allez, hop. Je vous jure. Chavalot, va dormir. T'es vieux. Arrête. J'ai un mauvais pressentiment. Ah oui, le MCC est très très bien. Pourquoi regarde la généalogique? Ah oui, pour... ah oui, bah oui, pour savoir qui quoi. Bon, écoutez, ça va être la fang. La fang de ce... Pas de ce challenge, mais de la... Alors, avec Hugo Denis. Ok, d'accord. Oh, punaise. Ah, avec Jean-Eudes, elle en a fait une. Elodie. Qui a les cheveux roses, du coup. Et en Jean-Eudes, on en a fait deux autres. Hein. Manon Okada. Encore des Okada. C'est pas possible, ça. Avec qui tu t'es reproduit, Okada? C'est, ça vient de Daichi? Je pense pas, j'ai pas mis Daichi dans le Notsubiri. Voilà, voilà. Tu veux Jacqueline pour aller te coucher? Tu feras le ménage demain, c'est pas un souci. Enfin, demain, la semaine prochaine. Allez! Va te coucher, vieille peau! Possible, ça! Mais c'est bon, là! Dors là! Oh! Zen. Et moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter YouTube pour cette rediffusion. On se retrouve la semaine prochaine. Je pense que... Je vais voir avec le chat s'ils veulent qu'on déménage maintenant. Ou qu'au moins on fasse la maison, ou je sais pas trop, on va voir ça. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. On se marre des fois, quand je m'énerve pas sur les Sims. Enfin, vous vous marrez, moi je m'énerve, c'est comme d'habitude. Et puis c'est tout, et n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et partager la chaîne comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.